Ce matin, sur Europe 1, je voulais dire merci la vie. Précision du jour, ma chronique se fera entièrement torse nu. Puisque... Europe1.fr. Moi, je suis une timide, moi. Oh, c'est hyper érotique comme situation. Le chef de l'État offre son torse au peuple français pour un oui ou pour un non. Merci, on a compris, c'est bon. Oula, ils s'aiment. Ils sont amoureux. Ils s'aiment en secret. Contrairement à ce qu'il se dit, c'est pas les pédés, mon pote. Hein. Protégez votre famille. Et surtout, n'écoutez pas les autres, les charognards là-bas. Nous vivons aujourd'hui, notamment ce qui a été décidé hier et ce que l'État n'a pas aidé, ce que l'État n'a pas empêché hier. Nicolas Sarkozy aime passionnément la France. Si la France a besoin de lui et lui fait appel, je suis sûr qu'il reviendra. Qu'il puisse être un recours un jour dans des circonstances exceptionnelles, pourquoi pas, beaucoup de gens y pensent et peut-être lui aussi. Alors normalement, oui, dans 30 jours, nous avons une élection présidentielle. Elle commence dans un climat un peu insurrectionnel, un peu fiévreux. Cette brillante chronique vous était présentée par Findus. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, j'ai trouvé trop beau. Je reviens, vous bougez pas, puis vous, je vous fais des bisous. Allez, bisous tout le monde.